Ah merde, décidément. Il n'a pas été violent. Le choc, il n'a pas été violent. Bon, attends, je vais arrêter de filmer. Mais tiens, voilà. Ouais, le choc, il n'a pas été violent. Mais voilà. Porte-fusée étrillée alu. Ça bouge pas. Non, c'est Voilà. sûr. Non, mais moi, c'est. Plastique. Même à la garde républicaine, je prêtais à courir, c'est de 3 francs au bout de 2 francs sur le bar. Oui, c'est. Mais regarde bien, normalement, c'est parce qu'il est fêlé. Et donc ça saute à chaque fois. Je suis rentré, je l'ai nettoyé, mais il n'y a rien. Le seul truc que j'ai bien aimé, par contre, tu sais, il y a une vis que tu as modifiée. Je peux trouver les Il est mêmes. propre. Ah Hein? bah ouais, à l'intérieur, ouais. Il faut juste que je lave l'écran là, je crois. Là. Il y a une des vis que tu as modifiée sur le toit. Ouais. Tu sais, c'est ta ligne vis. Ouais. Au niveau de là où tu vis, c'est là que c'est vissé, enfin là où il y a le pas de vis. Oui. Et tout le reste, c'est un tube lisse. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et cette vis-là, elle est top, quoi. J'en trouve des comme ça. Attends, tu me montreras après. Parce que là, je suis. Ah! Genre en gros, là où tu mets ton tournevis, Ouais. au niveau de là, c'est fraisé, quoi. Au niveau de là, t'as pas de vis. Ouais. Et tout le reste, c'est le tube. Donc quand tu sais, ça vissait en dessous, mais tout le reste, Ouais. c'est bouché. Bon, attends. Donc t'as trouvé ces vis-là, mais Oh, au moins, ça lui fait du vrai sport. Tant qu'il croque pas la voiture, c'est bon. Ben les chiens, ils aiment bien croquer les pneus en général. Ouais. Des. Non, ah non. Non, non. Mais vois avec Nico, puisque il est en train de détester là. On croit que c'est des Traxxas, mais c'est pas des Traxxas, ils sont 3 fois moins chers. Donc, ouais, il me semble, parce qu'il y a les GPM, mais les GPM c'est, ouais, je sais pas, t'as les trucs en plastique dedans, moi j'ai pas confiance là-dedans. Mais ceux qu'il a pris, ils ont l'air d'être pas mal, franchement. Hein. En fait, t'as pas roulé assez comme un bourrin pour pas le casser. Parce que là, en fait, il y a un truc qui a cassé, non? C'est à moi? Oui. Ben, je sais pas. Parce que de la manière que c'est, ça me fait penser à la fusée cassée en deux. Ben non, non, la fusée, elle est là. Hein. Tout est là. C'est en fait comme si le pin Ah, bah était ben alors, sorti. il faut redémonter la roue. Ouais, Ouais, il faut redémonter la roue et la remettre. Mais peut-être que c'est. je vais faire ça proprement à la maison avec une roue propre. Non, mais c'est. Ah, alors après, peut-être que j'ai perdu cette vis-là, tout à fait. Peut-être que tu ne l'avais pas, je ne sais pas. T'as raison, c'est vrai que chez Arma, c'est ça, il y a une vis à ce moment-là. Ah, mais non, mais la vis, elle est dans le tube. Ah oui, elle est dans le tube, mais là, je crois qu'elle est dessus. Non, il y a encore, ça fait. Ah bon, on a vu, Ah, wow. Là, par contre, t'es pas très bien placé de ce côté-là. Ouais, bon, je ralentis à chaque fois, mais. Wow! Putain, je viens de retirer 500 grammes de boue. Ouais. Juste du pare-choc arrière. Bon, sinon, le slash, il a un bruit, mais il a toujours continué à rouler, c'est bizarre. Mais tu veux pas la remettre la roue? Oh, je vais faire ça proprement à la maison. Parce que là, c'est juste l'écrou. De toute façon, vu que je dois aller au taf, je ne vais pas me mettre à faire des. Ah, ben ouais, mais vous me la ressalissez!
sortie, les gars. Faut arrêter de passer comme des fous. Oh putain. Bon, on va passer en ligne droite. Ah, attends, je vais te remettre. Normalement, tel qu'il est là, c'est bon. Ah oh, putain, j'avais oublié ça dans les short courses. Hein. Voilà. Ah oui, non mais c'est sûr. Hein. Non mais regarde, moi, le slash avec la protection en lexan. Tu regardes l'intérieur, il est pas si pourri que ça. Hein. Après, bon, les trains, ça c'est ça y coupe pas. Hein. Mais moi, je vais attendre que ça sèche tranquille et puis. Que je ressortirai quand il sera sec, ou j'irai faire un tour là derrière où il y a les cailloux, un décrottage express. Moi à l'origine je voulais aller décrotter dans les cailloux après, hein, mais alors... Non, il faut que ça, que la boue soit sèche. Quand elle est sèche, la boue elle tombe toute seule là. Non mais derrière c'est des gros cailloux quand même. Ah bah là, si ça sèche, j'ai fait une carrosse incassable. Waouh. Bon bah j'ai arrêté de rouler, de filmer quoi. Déjà que j'ai beaucoup de vidéos. Bon au moins j'aurais fait toutes les vidéos qu'il faut. Je reviens après, je sais pas. Hop.